Bon, et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes moules pour couler mes têtes plombées moi-même. J'ai eu beaucoup de questions dans les dernières vidéos que j'ai sorties où je pêche en vertical, justement avec des têtes plombées que j'ai coulées moi-même. Donc je vais vous montrer comment je réalise les moules pour les têtes plombées et comment je coule les têtes plombées. Alors pour ça, il va nous falloir un petit peu de matériel forcément. Je vais utiliser du silicone RTV rouge. Donc ce silicone, je vous mets un lien dans la description. C'est vendu par Bricoleur, j'ai rien à y gagner. Voilà. C'est le produit que j'utilise qui va très très bien. Donc c'est du silicone qui résiste à la température du plomb liquide forcément, puisque c'est quand même autour des 200 degrés. Donc tous les silicones ne résistent pas. Attention, bien prendre un silicone qui résiste à cette température-là. Bien sûr, il est vendu avec le catalyseur pour le faire durcir. On va avoir besoin de la tête plombée qu'on va utiliser. Hop. Donc on va couler les petites deep jigs que vous connaissez, je pense, que j'adore pour la verticale, en 21 grammes. Donc une tête plombée qui n'est pas forcément évidente à couler avec plein de formes particulières. Et surtout, il y a les petits ergots à l'arrière qui permettent de bien tenir le leurre. On va avoir besoin d'une seringue pour mesurer la quantité de durcisseur. Un petit peu de pâte à modeler et des Lego, j'ai une petite boîte de Lego et on va construire un petit moule en Lego, tout simplement. Voilà. Tac. Donc allez, c'est parti. Je vais construire le moule pour préparer justement le moule pour la tête plombée et ensuite on passera au silicone. Voilà, ça y est, donc j'ai réalisé mon moule, ma première face de mon moule en tout cas. Comme vous pouvez le voir, j'ai bouché le petit espace qu'il y avait entre les Lego avec de la pâte à modeler. Ma tête plombée est bien accrochée, bien suspendue. Donc maintenant, on va pouvoir passer au silicone. On va faire un moule en deux parties. Donc ça veut dire qu'on va couler la première partie et ensuite on reviendra couler un peu plus tard la deuxième partie pour que le moule se sépare en deux et qu'on puisse sortir la tête plombée une fois qu'elle est coulée. Donc allez, c'est parti, étape numéro 2, maintenant qu'on a préparé ça, hop, on va passer au silicone. Alors, pour le silicone, on va prendre, hop, bien sûr, le silicone, des petits gobelets en plastique, hop, et de quoi remuer, ainsi que le catalyseur et la petite seringue. Je vais faire à peine quelques grammes de silicone. Hop, je prends bien sûr des sopalins ou des essuie-tout pour éviter d'en mettre partout. Tac. Et je vais réaliser, voilà, je commence à avoir un peu l'habitude sur les dosages. En fait, il faut très très peu de silicone. Au final, les moules sont vraiment pas gros. Faut faire attention de ne pas en préparer trop. C'est pas toujours évident. Au début, on a tendance à faire beaucoup trop de. On a tendance à faire beaucoup trop de silicone et on en perd. Donc pour pas en perdre, je vais vraiment faire juste la dose dont j'ai besoin. Si j'y arrive, c'est pas évident. Je vous conseille de prendre une balance pour peser la quantité que vous mettez. Pour vous donner une ordre d'idée, pour le moule que j'ai à faire, il faut environ 15 à 20 grammes. Donc maintenant, j'ai mon silicone. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de mettre le catalyseur. Donc le catalyseur, allez, 2 à 5% de catalyseur. Donc là, pour ce que j'ai, il va me falloir presque une pipette. Une demi-pipette. La quantité de catalyseur va déterminer le temps que va mettre à prendre le silicone. Donc après, on remue, bien sûr. On mélange de manière à introduire le catalyseur dans tout le silicone.
Je vous conseille de ne pas mélanger de manière trop énergique, sinon vous allez introduire des bulles à l'intérieur du silicone. Et moi, je n'ai pas de chambre à vide pour enlever ces bulles-là. Donc je vais remuer doucement pour faire remonter toutes ces bulles qui ont pu être introduites et j'essaie de ne pas en introduire plus. Donc voilà, mon catalyseur est bien mélangé. Je vais pouvoir passer au coulage. Je le coule par l'extérieur en essayant de ne pas toucher la tête plombée. En essayant de ne pas trop trembler. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 24 heures que le silicone durcit et on se retrouve dans 24 heures pour couler la deuxième partie. Ça y est, du coup, ça fait 24 heures, mon moule a bien durci. Hop, je vais tout vous montrer. Mon moule est parfaitement sec, enfin durci plutôt. Il y a juste des petites, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais à certains endroits, il y a des petites bavures du fait, en fait, que le silicone est un liquide mouillant, on va avoir des petits ménisques qui se forment et des petites remontées dues à la tension superficielle. Donc ça, on va démouler légèrement, les recouper pour que ce soit bien plat et qu'on ait une belle jonction entre les deux parties du moule. Tout simplement, il faut prendre un petit scalpel. Moi, j'ai un petit ciseau là, très 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 fin avec une pointe très fine qui va me permettre de découper. Le silicone n'est pas encore complètement complètement dur. Ça fait que 24 heures, donc on a quelque chose qui est encore bien souple. On va pouvoir le découper sans problème. Hop. Donc, je vais me libérer un peu d'espace. Je vais juste enlever quelques petites parties pour pouvoir y accéder. Hop, voilà, je me libère de la place et je vais découper tout doucement. J'ai bavuré tout ce qui dépassait. Maintenant, je vais allonger le moule et on va repasser à l'étape comme au début où on a coulé le premier silicone. Juste entre les deux, ce que je vais faire pour éviter que les deux couches de silicone accrochent l'une à l'autre, je vais utiliser du talc. Hop, tout simplement, moi j'ai pris une pierre de talc qui traînait du papier de verre, j'ai pensé. Sinon, si vous achetez ça en pharmacie, du talc pour bébé ou quoi, ça marche très bien. Sinon, ça marche aussi avec de la vaseline, mais je préfère le talc, ça fait un rendu vraiment très très fin, très très lisse, que j'aime beaucoup. Hop, on va en mettre un petit peu. Hop là. On met du talc un peu partout. Tout ce qui est en trop, ça revient là. Le mieux, c'est avec un petit pinceau. J'ai oublié de prendre le pinceau. Voilà. Donc j'ai mis du talc partout. Ça crée une petite couche qui va éviter que les deux couches de silicone accrochent, tout simplement. Hop. Maintenant, c'est parti. On passe à l'étape du silicone. Exactement comme précédemment, du silicone, du catalyseur, on mélange et on met par-dessus. Thank you.
voilà, le moule est en place. Maintenant, on va attendre que ça durcisse. Pareil, 24 heures. Et au bout de 24 heures, on va pouvoir le démouler, séparer les deux moules, créer les évents pour les évacuations d'air et l'entrée pour pouvoir couler le plomb et bien sûr couler les têtes plombées. Donc on se retrouve une fois que ça a durci. Allez, c'est parti pour couler une tête plombée. Donc pour les hameçons, là j'ai des 7249 numéro 40, les BN de chez VMC. J'utilise les 3-0, les 2-0 et les 1-0 et je vais utiliser aussi les 5-0. Hop, donc je prends un 4-0. Tac, je prends mon moule, je place l'hameçon. Tac, tac. Automatiquement il va se placer à la bonne place. Tac. Je prends le verso de mon moule et je viens le mettre entre un serre-joint. Deux petites plaques pour répartir. Et voilà. Sans serrer trop fort. Il n'y a plus qu'à couler. Et voilà, la tête plombée est coulée. Hop, j'enlève l'excédent. Tac. Tout simplement. Après, j'ai les petits bouts qui sortent par les évents. Voilà, un petit coup de cutter, de scalpel. Là et là. Et voilà. J'ai une tête plombée, 21 grammes, hameçon 4-0, le top. Celle-ci est encore un peu rugueuse, le temps que le moule se fasse, il y a des petites particules à l'intérieur là. Et petit à petit, quand le moule va commencer à se faire, on va avoir un résultat qui va être parfaitement lisse. Comme je peux avoir sur d'autres têtes plombées, sur les autres moules que j'ai, notamment pour les 17 grammes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, le petit like, le petit partage. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ces têtes plombées, il faudra les peindre. Donc peut-être une vidéo où je vous montrerai comment je peins mes têtes plombées.